Bon bah c'est parti pour le vide-grenier, je suis accompagné de Liminette Game, de son doigt. Voilà, bah, là, on est parti pour la brocante de Courbevoie. Donc comme vous pouvez le voir là, ici là, hop, il y a du brouillard. Ouais. Donc c'est parti. Vous avez que ça en jeu vidéo ou pas? Ouais. Ok. Merci, bonne journée. Merci. Ouais, ils sont humides, hein. Ah oui. Moi, je ne connaissais pas celui-là. T'as vu? Dangerous Hunt, chasseur dangereux. Après moi la Xbox, je t'avoue que... T'as que des foot. Hein. Ouais, bah, c'est que des PS. Ouais. Okay, c'est pas d'autre ailleurs. Ouais. Mais là, je pense que c'est la même chose. Hein. Mm. Foot, foot. Ah, il y a Naruto, tu vois. Pour Lidinou. Ah. Pour Lidinou. Ouais, c'est pas rouge. Hein. Oh, moi les DVD je regarderai après. Pour l'instant je regarde les jeux puis les DVD je regarderai après. C'est sûr que ça partira pas trop vite. Oh, il y a des Skylanders. Pokémon. Bonjour, par hasard vous avez pas de jeux vidéo? Pardon? Vous avez pas de jeux vidéo par hasard? Ça. Ah oui, ah oui. Il y a un jeu oui et un jeu. Bah c'est que des Skylanders. Ah, ça c'est réglé, j'ai des jeux. Mmh. Un jeu basket, foot. Choc. Ah, c'est ok. J'ai fini. Un Astérix. Le 4, le 5, le Batman. Ah celui-là je l'ai pas. Hop, s'il y a des trucs qui t'intéressent. Hein. Je te pense. Bonjour. Assassin's Creed. 3 et 3, 6 et 3, 9. C'est ça? Je crois que c'était ça. Hein. C'est 3 euros. 3 euros au jeu. Bonjour, vous me faites un prix si j'en prends 3? Ça fait 9 au lieu de. J'ai fait 6. Ok. Alors là, on a un décor apocalyptique. Regardez ça. C'est rempli de brouillard. On voit même pas l'autre côté quasiment. Là-bas, c'est l'île de la Jatte. On voit que dalle. Bon, c'est parti. My Dogs. Hop. Foot. Foot. Vous avez que ça en jeu vidéo? Oui, c'est ça. Ok, merci. Elle est pas là. Elle a trouvé ça. Game Boy. Oh. T'as une Game Boy. C'est Fighter 2. Il y a aussi un jeu là. Regarde. J'ai la machine, mais je ne l'ai pas ramenée avec moi. Il y a un Donald Duck, c'est ça? Il n'est pas super. Vous avez ça où, moi, ici? Oui, moi. Où? Je sais
jamais vu ce jeu. Je suis à Metteur. Bonjour, excusez-moi. Vous la rendez combien la gamme? Elle est à 60. Je ne l'ai pas ici. Si, si, elle est pile OS, allez-vous. Je l'ai mis les piles juste à l'instant. Et l'autre? J'en avais deux. J'ai quelques jeux comme ça. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Et je pense que j'ai une autre. Je pense que j'ai une autre. Italian Champions. Altered Beast, très bon jeu. Italian. Quoi que je sais pas. Italian, ce que je dis. Très bon jeu. Ouais, bah c'est ça, hein. Ouais, pas qu'elle joue Game Boy. C'est beaucoup trop cher. Ça m'intéresse, si vous voulez. Ouais, ouais, bon, bah écoutez, si vous voulez, je la pique. Des Legos sur Game Boy Color, j'ai jamais vu. Ouais, il y en a. Ouais, c'est pour ça que je ne veux pas la vendre. Mais moi, j'ai la Atari. Skaterman. Blanche Neige, je savais même pas qu'il était sorti sur Game Boy. Ça? Non, Blanche Neige. Ah, Blanche Neige. J'ai vu là. Je savais même pas qu'il était sorti sur Game Boy. Ah, parce que ça va être les prix, ça va être du 5-10 euros par jeu. Oui, c'est un équilibre, il a 18 euros. Bon, bah, bon, je touche pas à ça. Hein. Cher. Les jeux ils sont complètement décolorés. Ouais, ils ont perdu leur couleur là. C'est ça, pas rien. Parce qu'on va Salut et bienvenue pour ce compte rendu de Vide-Grenier qui s'était situé à Courbevoie. Ah, je suis assisté par Miminet Game qui va me faire l'assistante. Vous voyez, salut sa main, hop. Et du coup, ben, elle va me faire montrer les boîtes une par une. Alors, je les ai mis dans, à peu près dans l'ordre. Donc, je vous ai payé à peu près 5. Non, c'était 1 euro le DVD à peu près. Ouais. Je crois que c'était à peu près ça. Donc, on commence par le premier. C'est le Blu-ray de Ratatouille. Hop, je fais la petite mise au point. Ah, c'est le Ratatouille. Malheureusement, j'avais cru qu'il y avait une numérotation, mais malheureusement, ben, il n'y est pas. Il y a des petites taches sur la boîte, là j'ai vu, là, c'est ouais, un peu dégoûtant. Ça sera un petit peu nettoyé. Donc c'est Ratatouille, donc ça tombe bien parce que ça parle de Rémi. Oui, ah, Rémi. Ça fait la mise au point. Voilà, il y a mon n'est prénom. Pas un rat dégoût. Mais je suis pas un rat dégoût, hein. je suis juste un rat au niveau des prix. Donc du coup, bah, vous imaginez bien, il est complet. Je crois qu'il s'ouvre, non, il n'y a pas de. Ouais. Alors, c'est bon. Il est complet. Hein. Bon, malheureusement, il n'y a pas la numérotation de, comme les autres, mais bon. Toujours ça de prix, donc je l'ai payé, je crois que c'était 1 euro, oui. 1 euro celui-là. Donc voilà pour le Ratatouille. On passe maintenant au DVD. Là c'est que des DVD Disney, donc on a le Cendrillon, le premier. Donc vous voyez, c'est marqué chef d'œuvre. C'est le numéro 14. Et du coup, ben, il doit être complet. Hein. J'ai finalement, je pense que j'ai regardé. Ouais, en plus il a été même restauré. On a l'avant et l'après. Oui, donc on a toutes les bonus et il est en français. Donc à l'intérieur, il y a le disque et le disque il est un peu coloré. Donc c'est étonnant parce qu'habituellement ils sont blancs. Voilà. Donc celui-là j'ai payé pareil, je crois que ça doit être 1 euro. Certains j'ai peut-être négocié mais je ne me rappelle plus, peut-être moins d'un euro. Donc là on va passer au second, c'est le Bernard et Bianca au. Non c'est pas vrai, les aventures de Bernard et Bianca. Les aventures de Bernard. Et c'est le numéro hop 26. C'est juste les aventures de Bernard et Bianca. Donc il est en français, bon et en multi, non même pas en double langue, c'est-à-dire le français et en anglais. Ouais. Donc il y a des petits bonus comme d'habitude. Hein. Et intérieur. Il y a le disque Bernard et Bianca. Allez, hop, nickel. Ces formats que normalement c'est classique. Blanc. Et c'est un grand classique celui-là, vous voyez, grand classique. Et on passe au deuxième. Alors je ne sais plus s'il l'avait pris, mais bon. En tout cas, c'est une version collector. C'est les seins dalmatiens. Donc c'est numéro 19. Maintenant, je crois que je l'ai, mais pas en édition collector. Donc du coup, c'est un chef-d'œuvre celui-là. Ouais, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Il est en français, j'imagine. Ouais. Donc c'est un seins dalmatiens. De la collection. Et du coup, à l'intérieur, c'est double CD. CD. On a le CD 1 pour tout le film. Non, bonus. Non, bonus. Bonus celui-là et film et bonus. Donc, très bien. Et puis, il y a plein de petits bonus, hein, j'imagine, derrière. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre. Et le dernier classique, là, cette fois-ci, c'est en classique. C'est le Blanche-Neige et les 7 nains. Et ça, c'est, je sais que c'est le numéro 1 parce que c'est tout premier Disney. Hop, vous voyez. Je collectionne que avec les numéros comme ça.
Et du coup, bah, il est forcément en français, hein, vu que c'est Blanche Neige et c'est plein. Parce que enfin, en anglais, c'est Snow White. Et bien sûr, on a le petit CD classique. Et là, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire au jeu. Donc là, on a été. Non, c'est oui, les jeux PS3. Là, c'était sur un stand, je crois que vous avez payé. Je sais même plus. 6 euros les 4. 6 euros les 4, donc ça fait 2 euros. 2, 3, 4, 5. Ah, je crois que ça devait être ça. Il y en a 5. C'était ça, je crois. Ouais. 2 euros, hein, c'était 2 euros le jeu. Donc là, on a le Injustice, les 10 sont parmi nous. Donc moi, je l'avais récupéré en édition collector parce que j'avais pris la boîte au cas où si un jour je tombais sur le jeu. Du coup, bah, là, je le rentre, l'édition classique. C'est le numéro 1673 au niveau du BLES. Donc il est en français et complet. On a le CD, la notice. C'est parfait. On va passer au second. Celui-là, je crois qu'il est peut-être en anglais, non? Édition Game of the Year de Batman Arkham City. Avec du contenu, ah non, c'est bon, c'est en français, contenu bonus. Ouais. Donc on ne s'échappe pas d'Arkham. Oh, on est mal barré. Ah bah tiens, il est marqué Lightning, j'ai vu, sur le truc là. Ah non, c'est Nightwing, pardon. Nightwing. Il est marqué Lightning. Donc c'est le numéro 1587 au niveau du BLES. Et il est complet. Un peu sale avec les morceaux ouais, de poussière, ça c'est cadeau ça. C'est un beau cadeau ça. Et c'est le troisième jeu, c'est le Prince of Persia en édition Essentials. Ouais, Prince of Persia, les sables oubliés. C'est numéro 839, donc on aura les trophées. Il est en français, donc c'est parfait. Et il est complet avec le bon CD. Hein. Parce que des fois, il peut y avoir les mauvais CD, vous savez, ils sont pas rouges. Et c'est numéro, celui-là, je crois que je dis 839, oui, je l'ai dit. Et le dernier jeu PS3 que j'avais pris chez la dame, je crois. C'est le meilleur de tout. Ouais, le Super Street Fighter 4 Arcade Edition, fait par Capcom. Donc, français bien sûr, le tournoi ultime commence. Et c'est numéro 770, donc on aura forcément les trophées. Et intérieur, complet. Donc, ils ont fait une petite notice, je pense. Ouais, légère. C'est vraiment très, très soft. Hein. Donc celui-là, il est complet. Et on passe au dernier jeu, donc du coup, il y en avait 5. Il y en a 6. Il y en a. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah oui, on a 4 jeux PS3, oui, c'est ça. Donc le dernier que j'ai pris, c'est le Red Dead Redemption Undead Nightmare. Donc celui-là, il est complet. Et c'est numéro 1179. Donc il y a un français. Et j'imagine qu'il est complet. Il y a la notice et le CD. C'est important. Il existe en double édition, là, le Red Dead Redemption et Undead Nightmare, mais je ne l'ai pas encore. Là maintenant on va passer, on a été chez un monsieur, vous verrez le compte rendu de Minute Game, elle a expliqué bien les choses. C'est qu'on a discuté, elle a trouvé les petits jeux PS4 et du coup ben, on a discuté et elle a demandé si on pouvait aller directement chez lui. Puis on a été chez lui, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ben, moi elle a récupéré les choses que vous verrez dans son compte rendu. Moi j'ai récupéré un Iron Man 2, jeu vidéo, sur PSP, donc il est en français. C'est le numéro 1422 et il est complet. Bien le Iron Man 2, ouais ça. Il est complet, donc bon état. J'ai payé, je sais même plus si c'était 2 euros. Ça doit être 2 euros le jeu, ouais. Ça, on a 4. Ouais, c'est ça. 2,50. Donc ça doit être 2,50 le jeu. Donc là, on passe au deuxième, c'est-à-dire le God of War Ghost of Sparta. Inclus un skin. Ça, okay. Voilà, ah oui, ça, c'est un truc. Ça a été, ah, peut-être, ça a été acheté à Marseille. 154 rue de Rome. Donc il est complet, il est en français. C'est numéro 1401, bah tiens, on avait le 1422, on n'est pas très loin des deux. Et il est complet. Il y a même une petite notice bonus, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est les codes. Bon, ça a pu être très bon, hein, on l'a vu. Hein. On l'a vu, ça a pu être utilisable. C'est pas très grave. Et derrière, il n'y a, bah, a que ça. Je crois qu'il y avait un truc, il y a la jaquette réversible. Oh, c'est pas réversible, c'est, comment on appelle ça, LTD, il y a un petit peu, hop, jaquette un petit peu... je sais pas comment on peut appeler ça. Donc du coup bah, il est complet. Bon après le code, je sais même pas, je peux vous le montrer. De toute façon le code à mon avis doit plus être bon. Et le dernier jeu PSP que je lui ai pris dans ce lot, après il y en a un autre, c'est le Phineas et Ferb. Alors ça je m'aimais bien parce que Phineas et Ferb voyage dans la deuxième dimension. Donc c'est un jeu, je crois que c'est un... Il est trop sympa, je l'ai sur PS3, il est bien. Donc sur PS3 il est sorti? Oui. Ah bon. D'accord, et, bah, il doit être rare sur PS3 parce que je l'ai vu. Donc bah, du coup c'est sur PSP là, cette fois-ci, et il est complet. Il était dans un PSP blanche que Minute Game a récupéré, vous verrez ça dans son compte rendu, et moi je l'ai récupéré, du coup bah, je me suis dit je vais le prendre.
Donc le Finesse FR, c'est le numéro 1564 E pour essentiel. Et le dernier jeu que je lui ai pris, c'est un jeu PS2. C'est le Simpson, les Simpsons, le jeu. Donc, il était déjà à 15€ à l'époque. Vous voyez qu'il est un peu jauni, donc à mon avis, il doit être un petit peu plus cher aujourd'hui. Donc il est en français avec des traces de crotte là, ici, là. J'avais pas goûté ce que c'est, bon, on nettoiera ça. Et c'est le numéro 54905. C'est énorme. Hein. Et du coup, ben, complet. Parfait. Et le CD est en parfait état. Ça, c'était dans le lot et j'ai payé en tout 10€, donc ça m'est revenu à 2,50€ le jeu. Les 4 jeux. Ça, ouais, c'est 4 jeux. Et les derniers, les 4 derniers, je crois que c'est ça, hein, c'est les 4 derniers que j'ai récupérés. Là, c'est du Mega Drive. C'est le Power Drive. Alors, je ne connaissais pas du tout, j'ai déjà dû le voir parce que la jaquette me parle un petit peu. C'est fait par US Gold et Red System. Donc, c'était un jeu de voiture, hein, tout simplement. Hein. Et du coup, hop, je vais montrer les images. Multilangue, on a l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Donc, vraiment, bon, c'est le petit jeu hein, à la Hot Wheels, vous savez, vu en hauteur, un peu à GTA. Et il est, je crois que celui-là est complet. Il y a une petite pub derrière, j'ai vu US Gold. Et vous voyez, juste là, le US Gold pub. Là, on a la notice et le jeu qui est dedans. Donc, et tout ça, je l'ai eu, bah, je vous le dirai le prix à la fin des 3 jeux. Allez, hop, la cartouche est là, en parfait état. Ça reste propre. C'est pas trop décoloré celui-là, ouais, non, il est pas du tout décoloré. Donc, c'est parfait. Et du coup, bah, je suis très content. Et pas, maintenant, j'ai regardé pour le numéro, mais il n'y a pas. Et le deuxième jeu que j'ai pris, bon, moins intéressant, mais celui-là, je crois qu'il est bien décoloré. Hein. On est d'accord. Hein. Il est bien décoré. C'est World Cup Italie 90. Donc il a dû sortir en 89 ou 90, un truc comme ça. En 90. Donc pareil, en multilangue, anglais, allemand, français, italien, espagnol, blablabla. Et tout, tout le truc. Et celui-là, je crois qu'il n'était pas complet. Là, ça, il manquait juste la notice. Il me semble que je l'ai, la cartouche aussi en loose. Donc voilà. Et le dernier jeu que j'ai récupéré dans ce pilote de Mega Drive, c'est le meilleur. C'est le Tailspin. Donc c'est celui qui est un peu plus coté. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Hein. Je crois que je l'ai, mais je ne sais plus si je l'ai en boîte. Donc celui-là, bon, il est en boîte déjà. Et il est surtout en multilangue, bien sûr. Et il est complet. Bon, la notice est un petit peu pas en sucette. Et du coup, j'ai eu les 3 jeux, hop, les 3 jeux qui sont là, enfin les 3 jeux que vous avez vu, hop, j'ai mis au point, voilà, notice. Donc les 3 jeux, donc le Tailspin, le World Cup et le Power Drive pour 20€, 20€ l'eau, ça fait à peu près 6€ et quelques jeux, je crois à peu près, un peu comme ça. Donc voilà, donc merci à toi Minette Game, ah oui, Minette Game, on a fait un échange, je dois lui rapporter le, ça s'appelle, hop. Une boîte je dois lui apporter la boîte de, j'avais oublié de la ramener, la boîte de Mario 64 sur DS. Et du coup, en échange, elle m'a donné le Crysis 2. Donc hop, assistante. Donc, là, c'est un échange incroyable. En plus, c'est même pas une notice. Ah, c'est inadmissible. Elle m'a laissé ses crottes d'araignée là, elle m'a tout laissé. Attendez, je vais regarder si elle m'a pas arnaqué. Elle m'a pas arnaqué. Pour vérifier l'état. Oh là, plein de traces, c'est horrible, franchement, je n'échange plus avec Minette. Non, je plaisante, je suis très content d'avoir le Crysis 2, donc j'avais le 3, vous n'avez pas le 2, on n'en trappe plus un. Ouais, il faut enlever la boîte Et du coup, la jaquette elle me devra, et du coup, ah oui, c'est numéro 1060, et du coup, elle me devra une notice, parce que moi, je lui ai donné une notice dans sa boîte, non, je plaisante. Donc c'est le Crysis 2, fait par Crytek et Electronic Arts. Donc merci à toi Minette Game d'être venu. Hein. Pas de soucis. Merci à toi. Hein. Et puis content de t'avoir rencontré et puis d'avoir fait une petite brocante à Courbevoie, j'espère que ça t'aura plu. Nickel, franchement. Parfait. C'est différent avec un de décor. Attendez, je vais montrer le décor. Où on était. Juste hop. La brocante a été juste là-bas. Et on s'est posé ici. Et là on a juste les quais de Seine. Et justement, la semaine prochaine. Je vous ferai une brocante ici, dans le 25 septembre. Donc rendez-vous le 25 septembre pour la brocante de l'île de Jatte. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao. Ciao.